thank yeah. you Eu, je suis né dans une famille de musiciens. Mon père était flûtiste. Mon grand frère était euh, corniste. Donc, euh, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à, à faire du saxophone euh, pour euh, intégrer en fait l'orchestre d'harmonie que dirigeait mon père. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le saxophone. Ensuite, euh, vers l'âge de 15 ans, j'ai. J'ai décidé d'essayer d'être professionnel avec le support de ma famille et de mes professeurs. Et donc ce qui m'a amené naturellement à faire mes études au Conservatoire de Paris, dans la classe de Daniel Defaillé. Ensuite, j'ai également, toujours au Conservatoire de Paris, suivi des cours de musique de chambre avec un grand artiste flûtiste Christian Lardet. J'ai complémenté également mes études musicales. Euh, avec un compositeur qui est très connu dans le monde du saxophone, mais pour les instruments aussi avant euh, en totalité, Pierre-Max Dubois, avec qui j'ai travaillé l'harmonie et l'analyse. Voilà mon parcours de mes études musicales. J'ai été euh, le premier saxophoniste français à choisir de jouer le saxophone Yéba. Alors maintenant, ça fait effectivement très longtemps, ça fait plus de 25 ans que je joue le saxophone Yamaha. Il faut savoir qu'à cette époque, quand j'avais terminé mes études au Conservatoire de Paris, on n'avait pas beaucoup d'idées du saxophone Yamaha. On avait entendu parler du saxophone Yamaha, mais c'était c'était pas de tradition de, de jouer cet instrument. Cependant, moi, j'étais très, très curieux de découvrir cet instrument. Et un jour, je me promenais dans, dans une rue qui est très importante à Paris, où tout, il y a tous les magasins de musique, la rue de Rome. Et dans une vitrine, j'ai vu le premier saxophone Yamaha. Je suis rentré dans le magasin, j'ai essayé l'instrument, immédiatement je l'ai acheté. Pourquoi Parce que j'adorais son son, quand j'ai découvert cet instrument, le son. J'adore son ergonomie, j'ai adoré aussi sa réponse l'intonation, l'équilibre de, de, de l'intonation et surtout sa qualité de fabrication. C'est la raison pour laquelle je l'ai acheté immédiatement et c'est la raison aussi toujours pourquoi et je continue à jouer le saxophone Yamaha. Mon premier saxophone que j'ai acheté était le modèle 62 et le saxophone que je joue aujourd'hui c'est le EX Plaqueor. Vous pouvez très simplement imaginer que depuis 25 ans, entre le 62 et le EX, actuellement il y a 25 ans. Ce qui veut dire qu'en 25 ans, tous les progrès ont été réalisés pour le saxophone, ceci grâce en fait à une étroite collaboration entre les artistes et Yamaha, plus précisément la division de recherche et développement, et évidemment avec les ingénieurs Yamaha. Alors évidemment, depuis le modèle 62 de mes premières années jusqu'au modèle EX d'aujourd'hui, il y a eu une évolution constante de l'instrument, qui a été guidée par une amélioration mécanique, une amélioration acoustique, et évidemment tout ce qui est autour de l'évolution aussi de la musique, du répertoire. Donc, tous ces critères guident Yamaha ainsi que les musiciens à améliorer, détail par détail, année par année, les conditions des musiciens au service de la musique. Mais je voudrais ajouter que toutes ces recherches qui ont été faites depuis 25 ans et qui continueront évidemment ont aussi un écho sur les autres gammes de saxophones. Ce qui est fait pour les instruments de haute de gamme, forcément a aussi des résultats très positifs pour les instruments intermédiaires. Je voudrais dire les instruments semi-professionnels et aussi les instruments pour les débutants. Donc vous voyez, sur toute la gamme des saxophones, le critère de qualité et d'amélioration est toujours attentif pour les musiciens ainsi que pour les ingénieurs. Et je peux dire que Yamaha est le seul au monde à proposer autant de qualités dans toute la gamme des instruments. Alors le message que je voudrais dire pour la future génération de musiciens, c'est un message d'espoir et de bonheur. Si comme moi, vous décidez de faire de la musique, vous aurez une vie fantastique, une vie à part des autres vous aurez la chance de rencontrer des musiciens extraordinaires. Vous aurez vous-même la chance de pouvoir partager votre passion avec vos amis, votre famille. Vous allez avoir aussi la chance de pouvoir jouer dans différents, dans différents orchestres et différentes possibilités, quel que soit votre niveau, que ce soit un niveau amateur, que ce soit un niveau professionnel. Alors, comme moi, si vous faites cela, vous pourrez réaliser le rêve de votre vie.